Bonjour à tous, je suis Kenzo David. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis chanteur et animateur de radio depuis déjà quelques années maintenant. Aujourd'hui, j'aimerais à travers cette vidéo apporter tout mon soutien à l'association Rêve d'enfants qui se situe sur la province de Liège en Belgique. Donc, cette association a pour but d'aider les enfants malades. Elle organise, comme chaque année, des galas. Et donc, la cinquième édition aura lieu au mois d'avril 2024. Si vous êtes à proximité de cet événement, je vous invite à vous y inscrire et à participer. Vraiment, vous ferez une bonne action. En ce qui me concerne, maintenant, je vais vous interpréter tout de suite une chanson de Frédéric François, On a tous besoin d'aimer. Chez soi, parce que la solitude vous inonde, et parfois juste faire un pas pour pouvoir que on n'est pas seul au monde. Une voix, un sourire, cet instant qu'on espérait, cette fois on chavire pour les jours et les nuits d'après. Même si les mots ne sont pas toujours les mêmes, pour se dire simplement je t'aime, c'est son cœur qu'il faut écouter. On a tous besoin d'aimer. Même si les mots ne suffisent pas toujours, simplement parler d'amour, parce qu'on a tellement à donner, on a tous besoin d'aimer. Regardez autour de soi, c'est comme un nouveau jour qui commence, pour ne plus vivre à l'étroit. À son tour, on peut bien croire en sa chance. Une joie, un désir, comme un signe qu'on attendait. Et puis, tout arrive, comme si plus rien n'existait. Même si les mots ne sont pas toujours les mêmes, pour se dire simplement je t'aime, c'est son cœur qu'il faut écouter. On a tous besoin d'aimer. Même si les mots ne suffisent pas toujours, pour simplement parler d'amour, parce qu'on a tellement à donner, on a tous besoin. Ce besoin qui remonte à l'enfance, d'exister, d'avoir le droit d'aimer qui l'on voudra, quoi qu'on pense. Même si les mots ne sont pas toujours les mêmes, pour se dire simplement je t'aime, c'est son cœur qu'il faut écouter. On a tout besoin d'aimer. Même si les mots ne suffisent pas toujours, pour simplement parler d'un.